Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de Scarborough. On s'est arrêté ici juste après la sauvegarde et on va continuer. Alors munitions, ça je me suis un petit peu chargé niveau munitions. Oh là, c'est quoi ça encore donc, bon. Déjà on commence mal. C'est quoi ça? C'est un boss, c'est quoi le délire? Commandant Robinson. Kate, j'ai attendu si longtemps. Mais la peur. Eh merde. Richard. Aïe. La peur m'a tué. Oh non. Commander Robinson. Oh non, c'est une blague. Je commence avec un boss. Wow, 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 wow. Calme-toi. Wow, attends. Ça fait mal. Ouf. Tu fais mal, gamin. Oula, qu'est-ce que tu fais? Non, pousse. Mais vas-y, tire! Mais vise bien! Aïe! Charge ta santé. Ah putain, ça. Les dents ou pas? Ouf. Ok. Wow. Richard, je suis vraiment désolé. Ouf. Mais je n'avais pas d'autre choix. Richard, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tam, Mike, j'espère que vous êtes vivants. L'Hermès. Il faut que tu atteignes le lieu du crash. Ok. Chapitre 2, les trépassés. Ok. Je ferais mieux d'examiner la dépouille, enfin, ce qui reste de Richard. Au cas où je trouverais quelque chose. Ouais. Non, je peux pas examiner le truc. Atteint d'Hermès, ça non. Je pensais. Bah pourquoi il y a une lumière jaune alors si je peux pas. Ok. Ah oui, voilà. Ok, composants de fabrication.
Très bien. Ok, nouveau gadget débloqué. Alors, maintenir B, maintenir enfoncé pour viser. Pour... Ah! Maintenir. C'est ce que je fais. J'avais pas compris. Tuer tous les monstres en mettant le feu au liquide inflammable. Ah, donc il faut que je mette ça là. Ah, ok, d'accord, ok. D'accord. Ok, il faut que je l'éloigne un peu et après ça, d'accord. Ouais, d'accord. Très bien. Ouais. Bon, bah on y va. Je récupère un petit peu tout ce que je peux récupérer et je me casse. Faut que j'aille là-bas. Mais par où? Ça, j'en sais rien. Et où est la sortie? Ah, par là. Ok. J'espère qu'il y a une sauvegarde pas loin. Comme ça, je peux enfin sauvegarder. Ok. Oh! Est-ce que c'est bestial? Qui vont m'attaquer? Oh, des rhinos en plus. C'est gentil ou pas ça? Ah. En son temps, cet endroit était magnifique. Hola, ma belle. Ça a l'air gentil. Donc, toutes les créatures ne sont pas hostiles par ici. Je me demande si celles qui le sont ont été pacifiques autrefois. Qu'est-ce qui a pu les faire changer? Aucune idée. Ok. Amélioration capacité. Oh. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus de... Attendez. Ah oui. Aptitude, j'ai 0, inventaire. Ouais, ok. Ça m'arrangerait s'il y a une sauvegarde dans le coin, non? Je sais pas où je vais. Hein. Je sais pas, on dirait que ça m'éloigne du truc. Encore de l'équipement de l'Hermès. Ah. Je dois approcher du lieu du crash. T'es sûr? Moi, je suis pas sûr. Hein. Oh. Je vous retrouverai, les amis. Je suis pas sûr si je vais dans le bon sens. Hein. Mais bon. Mmh.
petit endroit de sauvegarde, ça m'arrangerait, les amis, parce que là, je suis un peu... Je suis un peu dans le caca, là. C'est quoi ce truc qui pendouille, là? C'est quoi ce machin? Je sais pas. Bon, on y va. Ah, voilà. Une plan de sauvegarde. Reste de chair. Ok. Nickel. Ça m'a remis à bloc, hein. Ok. Il y a une partie là-bas, je crois qu'il y a quelque chose à ramasser. Bon, on va faire tout le tour par là. Oh, popo. Oh non, pas encore lui. Aïe. Il a bousillé des balles, l'enfoiré. Ok. Prendre la petite vue supplémentaire, pourquoi pas. Il était bien caché ici. Hop, hop, je t'ai pas vu, toi. Oh, elle est morte en plein cœur. Protection quand tu t'es limité. Ouais. Consommable. Ok. Éliminer dégâts négatifs. Ouais. Alors. Ok. Pour l'instant, ça passe. Oh putain, il n'y en a pas encore. Aïe! Wouh! Ah waouh 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 waouh! Casse-toi! T'es un grand malade! C'est des fous ici! Oula! Oula, j'aime pas cet arbre là-bas là! Ok. Je suis un peu perdu, je sais pas où je vais. Ok, bon, en tout cas, c'était pas par là qu'il fallait aller. Hein. Je pense que c'est vraiment par là. Il y a plein de cocons là-bas. Ça crame ou pas? Là, ça crame. Allez, viens là. Crame. T'as pas cramé, toi? Ok. Attends, j'attends, j'ai pas envie de me faire une capote, là. Ok. Que deux balles, c'est magnifique. Ouais, il me manque plusieurs balles, ça va.
Ok. Je sais pas du tout ce que je dois faire là. Si c'est un, s'il y a un boss, je suis dans la merde. Je sais pas où je vais. Hein. Je sens qu'il y a un boss, je sais pas pourquoi. Non, pour l'instant ça va. Pour l'instant je touche du bois, y a rien. C'est dur comme jeu, hein. Je vous le dis. Pour ceux qui veulent le faire, franchement, c'est vachement dur. Pas dans la difficulté, parce que, bon, c'est pas infaisable. Mais le dur dans le sens... le gameplay, il est pas facile, quoi. Le gameplay, il est pas du tout facile. Bon, une petite sauvegarde ici dans le coin, ça m'arrangerait. J'avance, mais je sais pas où je vais, hein, je vous le dis. Ah ouais, d'accord, on a fait tout le tour. Ok. Ok, ça fait une partie par là. Ok, ça ramène ici. Mais si je sauvegarde ici, est-ce que ça va me refaire tout le tintouin ou pas, là? Parce qu'après, il faut que je passe par là. Bon, je vais sauvegarder ici. Vas-y, retourne-toi. Non! Ah non! Ah non, 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 non! Ah, ouf, j'ai peur! Je me dis non, je vais pas refaire tout le chemin. Non, 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 non. Ouf. Je suis rassuré. Ok. Bon. C'est dommage qu'on peut pas prendre le maximum de choses. Hein. Munitions et tout ça. J'aime pas du tout cette zone, mais bon. Journal de bord. Tué récemment. Marque de morsure d'une profondeur d'environ 15 cm. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a des bêtes redoutables qui rôdent dans ces grottes. Je vois un truc de sauvegarde là-bas au fond. Là, la petite tour là-bas. Mais après, je sens qu'il y a d'autres choses qui vont me tomber dessus avant que j'arrive là-bas. Voilà, qu'est-ce que je lui avais dit? C'est quoi cette merde? Je t'ai vu, toi. Il est seul. Oh, d'accord. Toi t'es pas gentil toi. Il est où? Aouh! Arrête de bouger. Mais putain t'as ça. Oh, j'aime de lui. Arrête de bouger! Et je vise à côté. C'est ça qui m'énerve dans le jeu. C'est que... Voilà, regardez. Elle tire, je lui ai même pas demandé de tirer. Putain, mais... Il est où? Voilà, 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 voilà. Voilà le problème de ce game. Je sais même pas où tirer. Saleté de merde. C'est ça qui m'énerve dans ce jeu. C'est depuis le début de l'aventure, c'est ça qui me saoule. Journal de bord. Mandibule sur voilà, j'ai perdu des balles pour R. Pour R. Rasoir. Ses membres très puissants lui permettent de rattraper rapidement sa proie. Je sais pas où je vais, hein, là j'avance. Enfin, je sais où je vais, mais...
Voilà, encore une connerie. Et là, deux, super. Ah, voilà. D'ailleurs, je suis même pas sûr que je peux les éviter. Elle est où, l'autre connerie? Ah, voilà. Super. Bon, lui, il est dead. Tu vas arrêter bien de bouger, s'il te plaît. Bon, bah, fais ton tour, moi, j'avance. Hein. Casser la tête, tourner en rond avec toi. Hein. Qu'il y avait des trucs par là. Ah, t'as décidé de venir? Pourquoi j'ai de courir derrière pendant 20 heures? Je suis en train de gaspiller mes balles pour R là, c'est un truc de ouf. Aïe! Casse-toi! Nom de Dieu! Pas des petites choses à fouiller là? Non, pour l'instant non. Et je pense qu'à l'intérieur il y aura un boss, ça j'en suis quasi sûr. Et on va être encore dans la merde. C'était un massacre. Des traces de morsures. Ils ont été déchiquetés. Ils ont dû être tués par ces créatures qui rôdent. C'était un de tes proches, n'est-ce pas? Technologie holographique est incroyable. Je crois que je pourrais faire quelque chose d'utile avec. Une sorte de diversion. Ok. Attire et distrait les ennemis à proximité à court moment. Ok. Ah, il est tiré par là-bas. Ah, ok. Ok. C'est juste pour aller... D'accord, ok. Très bien. Ah, pourquoi pas. Voilà, il n'y a rien. Ok. Bon, il y a des cadavres partout. Hein. Très bien. Une zone de sauvegarde pas loin, ça m'aurait bien arrangé. Et j'espère l'avoir assez rapidement. J'ai vu qu'il y avait une sauvegarde automatique qui s'est enclenchée. Donc c'est pas plus mal. Non. Comment on fait déjà ? Aptitude. Lorsqu'une arme est à court de munitions, le magasin sera rechargé et donne, ouais. Kate répartit mieux le poids de son sac, cela accroît son endurance. Ouais. Oh, c'est intéressant ça. Ok. 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 Par contre, c'est vide. C'est un endroit qui est vraiment vide.
Pas un son, pas une musique. Rien. Le lieu du crash ne doit pas être loin. J'espère que Tam et Mike sont vivants. Bah oui, je vois, il y a un truc là-bas. Qu'est-ce qu'il vient de faire là, toi? Personne. Il y a personne. Vas-y, il y a des gens. Attends. Ah, je t'ai vu là-bas. Je t'ai vu. Je t'ai vu là-bas. Le propulseur est complètement grillé. Richard a dû utiliser la puissance maximale pour éviter. Ok, je peux monter par là en tout cas. Je peux aller par là, mais je peux aller aussi de l'autre côté, je crois. Non? Ouais. Mais si on a détruit un bac, c'est que je peux monter de ce côté là-bas. Je vais voir ce qu'il y a. Ouais, c'est là, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Allez, monte. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Ah, intéressant. Monte. Ok. Concentration de charge. Nouvelle amélioration d'un débloqué. Ok. Pourquoi pas. Hop là. Bon, je suis venu par là parce que bon. Là, il n'y a rien par là. Hein. Monter par là, non, c'est bon. Ok, c'était dans la bonne direction que je devais aller. Oh, qu'est-ce qu'il avait dit qu'il y a un truc à l'enfant? Tu croyais vraiment que j'allais descendre pour que tu m'attrapes? T'as fumé toi? Toi aussi là. Tiens. De malade. Ah, j'allais pas descendre comme ça, hein. Monde de fous. Bon, là, à mon avis, c'est une zone... Oh non, pas encore lui. Hop, hop, hop. Allez, vite. Ok. Allez. Charge. C'est quand tu veux. Aïe! Ouf. Aïe. Charge. Balle.
Ah! Allez, mais cherche plus vite, s'il te plaît, t'es tellement lente, c'est un truc de ouf, ça. T'es lente, ta petite. Putain, je peux partir, je peux partir. Non, je peux pas partir, hein, les gars. Voilà, j'ai plus rien. Mais tire, mort de Dieu! Putain, mais. Elle a plus de balles. Elle va crever, elle va crever, elle va crever, elle va crever! Elle va crever! Voilà, la pute. Voilà! C'est ça qui m'énerve dans ce jeu. Voilà. C'est vraiment ça qui me casse les couilles dans ce jeu. Et là, regardez, je retournais 50 000 ans en arrière à l'autre bout de la planète. Regardez ça. Voilà. Voilà. Voilà ce qui me casse les couilles dans ce jeu. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Je refais tout le chemin. Voilà. Voilà, 50 millions en arrière. Voilà. Voilà ce game. Voilà. Voilà. Voilà ce putain de jeu de merde. Voilà. Voilà tout ce que je dois refaire. Putain. C'est un truc de ouf, ça. Non, c'est pas du tout ça ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Inventaire, je sais même plus. Putain de merde. Je sais plus. Je sais plus comment on fait pour attirer les conneries là. Putain. Chargeur intermique, non. Lanceur de machin, non. C'est pas ça. Oh là là, putain de Dieu, c'est pas possible. C'est pas ça. C'est pas ça. Comment on change la connerie là? Chargeur. Chauffe et explose des projectiles. Mais non, mais arrête de lancer ça, putain! Oh la salope. Comment on fait? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais arrête de lancer ça, putain! Mais comment on fait, bordel de merde? Munitions, ouais, ouais. Lancer un machin, ouais. Et comment on les utilise, ces conneries? Mais non, putain de merde, elle fait exprès. Mais comment on change la connerie en bas, là, putain? Oh, la sale pute. Rotation, hein, ouais, ça c'est bon. Mais comment on l'utilise? Ah bah voilà, nique ta mère. Ah bon. Effet négatif, récupère un. Voilà. Allez, vous êtes où?
Allez, bouge là, la santé là. Voilà. Allez, monte. Ok. Aïe. Vite. Ah, il est dead. Ah bah ça va. Nickel. Vite fait, bien fait. Et là, ça va être encore la merde. C'est ça? Non? Oui? Non? Je sais pas. Je sens qu'il y a un truc qui va se passer derrière qui va faire très très mal. Je sais pas pourquoi, mais je sens un truc qui va faire mal. L'Hermès, la coque est encore intacte. Tam, Mike, faites qu'il soit en vie. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient en vie, gamine. Il vérifie qu'il y a pas des choses à ramasser dans le coin. Ok, on le rend Oscar. Très bien. Très bien. Il n'y a rien à faire avec ça. Ouais, c'est un badge. Ouais. Ok, il faut rentrer là-bas. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire ici? Je n'en ai pas fini à bord de la. Ah bah d'accord, ok. Il faut que je trouve. Attends, pousse. Aptitude. Alors, lorsqu'il n'a pas encore de munitions. Quelle munition de la grande orzagna, les plantes et les créatures ont 25% de présenter des ressources supplémentaires. Oh, c'est pas mal ça. Ouais. Les réponses. Ok. Allez, go. Voyons voir. Encore cet organisme. Comme avec Robinson. D'où est-ce qu'il vient? Saisir un code. Mais j'ai pas le code. Donc pour l'instant, je peux pas le trouver. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une source d'énergie improvisée. On dirait l'œuvre de Tam. Journal de bord. Quelque chose ne tourne pas rond chez Mike. Je l'ai placé dans le bioli,
Je l'ai examiné, mais... sa peau... sa peau est en train de changer. Le commandant Robinson n'est toujours pas revenu. Sur quoi est-ce qu'ils sont tombés dehors? Ça, j'en sais rien. Impossible de l'ouvrir sans une carte d'accès. Ah. Faut une carte d'accès. Métaédron. Pourquoi nous a-t-il amenés ici? Aucune idée. Ok, encore une carte d'accès. Mike? Mike, que s'est-il passé? Où est le commandant Robinson? Ta... ma... Non, non, non. Mike, je vais t'amener au labo. Tiens bon, ça va aller. Mm-hmm. Alors là, il faut une carte d'accès, on est d'accord. Mais pour l'instant, j'ai pas le code. Et là, pour accéder, il faut des cartes d'accès et tout. Donc ça va être compliqué. Ouais. On va voir. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Nickel. Carte d'accès. Découpeur. Ouais. Si ça peut découper des cloisons en plastacier, ça peut découper n'importe quoi. Ouais. Attends, il y a une autre partie avec une carte d'accès, là, je crois, ici. Ok. La remise des docteurs. Les étudiants Kate. C'était dans une autre vie. 06 20 10. Ça veut dire quoi, ça, 06 20 10? Ah bah voilà, c'est là. 06 20 10. Voilà. Recharge à fond, on sait jamais. Alors... L'échantillon de sang semble contaminé par des nanorobots. Il modifie sa structure cellulaire. Cela veut-il dire que les mutations ont été induites artificiellement? Mmh. Mike? Attends. Je vais vérifier déjà tout ça. L'ordinateur de Tamara. Journal médical. L'état de Mike s'est considérablement aggravé. Les tumeurs sur son corps s'étendent maintenant à une vitesse exponentielle et se répandent dans tout le labo. Il n'y a plus rien à faire pour le soigner.
J'ai réussi à isoler un nanorobot. Sa structure est bien trop complexe. Mais j'ai découvert qu'il reçoit en continu un signal binaire. Ça ressemble à des instructions. Mon hypothèse, c'est que ces nanorobots sont contrôlés depuis une installation centrale. Si je parviens à la trouver, je pourrais peut-être inverser le processus. Tam a enregistré les coordonnées dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ça doit être ce qui est arrivé à Richard. Oh Mike, qu'est-ce que cet endroit vous a fait? Les vaisseaux sanguins sont remplis de corps étrangers faits d'un alliage inconnu. Ok. Journal médical. Le corps du patient est recouvert d'une excroissance cancéreuse anormale. Température, 39,8 degrés Celsius. Tension très anormale, 19-12. Fréquence cardiaque à 136. Pupille extrêmement dilatée. Injection de 120 cm3 de synthétiseur de protéines dans l'espoir de faire baisser la température et normaliser la tension. Diagnostic en cours. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Je vois pas d'autres trucs à part ça. Je pense que ça doit être là-dedans. Peut-être là, mais je me dis mal. Journal médical. Le corps du journal médical. Oui, c'est bon, on a vu ça. Le cœur, je vois pas d'autre ce que je pourrais regarder. Là. Il a une blessure en haut du torse, de forme triangulaire. On dirait qu'elle a été faite par un projectile solide en forme d'épine. Ah. Tamara a prélevé des échantillons de sang pour analyse. Tam a découvert en analysant le sang de Mike qu'il était contaminé par des nanorobots inconnus. Les nanorobots semblent altérer le corps de Mike, ce qui signifie que son état a une cause artificielle. Tamara a réussi à isoler un nanorobot et a découvert un signal qui semble le contrôler à distance. Elle est partie à sa recherche dans l'espoir d'inverser le processus. Il faut que je suive ses coordonnées. C'est le seul moyen d'aider Tam et Mike. Ok. Bon, on a tout vérifié là, je pense. Je pense qu'on peut sortir, hein. Il commence à faire froid ici. Je ferais mieux d'enfiler ma veste. Ok, chapitre 3 dans le sang. Il y a une partie par là. Mais il y a une partie aussi par là-haut. Ah voilà, la sauvegarde. Ok. Nickel. Et... on va avancer encore un petit peu, les amis. On va essayer d'aller au moins jusqu'à la prochaine sauvegarde. Et après, on s'arrêtera là. Je suis pas sûr si je dois aller par là ou pas. Eh bon. Une sorte d'installation. Je pense que c'est là. La source du signal se trouve derrière cette porte.
Attends. Déjà, si ça se trouve derrière cette porte, je vais aller là-bas au fond. Si c'était la bonne direction où je devais aller, je vais essayer de faire un petit tour là où j'étais tout à l'heure. Là. Je vais voir s'il n'y a pas des petites choses à ramasser là. Eh merde, pourquoi je suis venu là? Pourquoi je cherche toujours la merde? Journal de bord. En brûlant, cette plante dégage une température extrême, supérieure à la combustion de l'oxygène pur. Elle émettra pendant un moment. La caisse m'empêche de passer. Elle est trop haute pour que je passe par au-dessus. Ok, bon. On va retourner de l'autre côté puisque c'était dans la bonne direction. Bon, moi je suis venu ici pour récupérer des petites choses, donc c'est pas plus mal. Alors on sauvegarde ici, on s'en fout, on en profite puisque c'est à côté. La fermeture. Y a-t-il un autre moyen d'entrer? Oui, un système de transport pour le matériel. Il y a un point d'accès tout près. Je t'envoie sa position. Je ferais mieux d'aller voir ce système de transport, quel qu'il soit. Voilà qui est intéressant. C'est chaud au toucher. Journal de bord. Amplificateur thermique et matériaux irradiants. Il s'agit peut-être d'un système de chauffage individuel. Ok. Il y a beaucoup de choses à fabriquer là. Ok, bon, en fait, il fallait vraiment aller de l'autre côté. Hein. Je m'en fous, je sauvegarde encore, tant que je suis à côté. C'était bien par là qu'il fallait aller. Forcément, il est revenu, lui. Ok. La glace blanche peut jouer en votre faveur. Les ennemis peuvent passer à travers et tomber dans l'eau glacée. Ah, intéressant. Ouais, il y a un truc là. Je l'ai pris tout à l'heure, mais bon. Ah oui, c'est le truc de la gaz, oui. La glace a l'air fine. Peut-être qu'un tir de chargeur thermique la ferait fondre. Ouais, bah c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Ah! Oui, je vois. Attends, pouce. Non, c'est quoi déjà?
Liquide infernal. Peut-être en lançant ça. Non. Tu m'expliques là? Je vais bien faire le chargeur thermique, mais si on ne me dit pas comment faire. Ah, ça, là-dessus. Non? Non? Bon, je vais pas gaspiller tout ça, hein. Attends, y a un truc que je pige pas, là. Je vais pas gaspiller tous mes chargeurs thermiques quand même, là tu me... Il faut que je les mette tout. Comprends pas. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure? Ah bah voilà, mais pourquoi tu le fais pas? Ah bah voilà! Arrête de me prendre pour un con! C'est ce que j'ai fait tout à l'heure et il voulait pas le faire, je sais pas pourquoi. Bon là, ça va être la merde par contre. Oh putain. Vas-y. Ça va décoincer, voilà. Regardez. Allez, casse-toi avant qu'il t'arrive des emmerdes. Allez, casse-toi. Avance. Wouah! Avance. Je ne vais pas tenir longtemps par ce froid. Avance. Évidemment. Voilà, je peux passer maintenant. Il y en a un autre. Je peux passer maintenant? Merci. Ouf! Ouh. Nickel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un autre incident a eu lieu dans l'abordeur, il faut que je m'assure que c'est possible. Ok. Bon, très bien. Ok. Ok, là c'est encore un système de... Et là il y a l'autre partie, j'imagine. Ouais, voilà. Donc, on va se mettre dans un endroit bien précis. Hop. Ok, il faut que j'aille bien là-bas. Mais moi, comme un débile, je vais aller par là. Journal de bord. Il s'agit d'un appareil extrêmement avancé, qui fait sans nul doute partie d'un réseau intégré. Ok. Il semble capable de réguler les conditions météorologiques de la zone dans laquelle il se trouve. Voilà, il faut un symbole ou un truc comme ça. Ça doit être le système de transport.
La mise hors service du système est désactivée. Et maintenant ? Le centre de transport est au sommet de la montagne. Vas-y, et je pourrai réactiver le système. Je t'envoie la position. Ça fait une sacrée... Ah bah super ! Ça me fait une sacrée balade, je suis pas dans la merde. Hein. Ok. Et c'est là-bas. Alors moi je viens d'ici, on est d'accord. Oh putain! Genre du gentil toutou. Elle se cogne en plus encore. Brûle, brûle, brûle. Crame, 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 crame. Crame, sale bête. Voilà. Tout de nouveau. Ok. Bon les amis, on va s'arrêter à là. Hein. On va s'arrêter à là pour cette partie de Scarabov. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite de l'aventure. On ira gravir la montagne tout en haut. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.